Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie sur Hearts of Iron 4 avec la France. On était en difficulté de niveau de recrutement, c'est pas terrible, terrible. 1er janvier 1939, on n'a pas beaucoup de réserves, c'est vraiment embêtant. J'ai dû merder quelque part. On est déjà en mobilisation partielle. Donc là, on doit attendre quoi? C'est rien, c'est vérifié, l'ensemble est en guerre. Ok, donc il va falloir économiser là. Hein. Tout simplement, on va Gardez-moi. entraîner la plupart de nos divisions, je pense. Paré. Pif, paf, pouf. Et on va lancer le jeu. C'est parti. Attention. Du coup, voilà. En armes légères, on a du stock. En artillerie, on a 1900, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les placer. Donc, c'est plutôt embêtant. Comment sont mes divisions? Peut-être éventuellement, je pourrais les modifier. On pourrait remplacer ça et mettre ici de l'artillerie. C'est pas assez. Trop coûteux. Et si on le met là, ça coûterait de l'argent, ça coûterait du également. Licence non payée. Certains pays n'engagent pas leurs usines civiles pour la production. On va mettre Feng, hein, tout simplement. Hein. Annule toutes les productions sous licence qui peuvent l'être. Ben, si, ouais, s'ils n'engagent pas leur truc. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Extension de la ligne Maginot. Donc, eh bien, écoutez, on va. La ligne Maginot s'arrête ici. On va donc commencer à faire ça. J'ai pas trop le choix, hein. C'est pas très marrant comme situation, mais là j'ai vraiment pas le choix. Combien je gagne? Un par jour. Donc dans 50 jours, je vais peut-être pouvoir mobiliser un petit peu plus. Je ne sais pas. Avion disponible en réserve. Qu'est-ce qu'on a en réserve? On a du chasseur de l'entre-deux-guerres. Et c'est tout. On va le garder encore un peu parce que de toute façon, il faut qu'on l'améliore. Hein. On a encore 280 à améliorer. Comme ça, extension de la ligne Maginot. Voilà. 27 janvier, la guerre n'est pas encore pour de suite, mais devrait pas tarder à arriver. On retire l'esprit national vainqueur de la Grande Guerre. Là, il faudrait que j'arrive à la voir. Tout pas mal. On va donc faire un petit focus. Alors, ben, priorité, priorité. Gardez vos rangs. Ah, il n'y a plus d'Italien ici. La priorité, je pense que ça va être dans un premier temps de. De mettre de l'artillerie et du génie. Alors, au niveau des usines civiles disponibles. Ah, ça a annulé ce que j'avais fait? D'accord. Allez, on fait ça. Ça, et on fera un petit coup niveau 4 ici. Voilà. En recherche. Alors, on est en 1939. 1939. Au niveau des armes, là, il y a une grosse différence. Serait meilleur en défense. Percée aussi. Ouais. On pourrait néanmoins faire ça.
186 jours. Un séjour partout. On va faire ça. 18 000. Voilà, donc on va pouvoir augmenter notre, modifier notre première division. On va lui mettre de l'artillerie. 17 000 de réserve. Ah, il en faudrait autant. Il en faudrait 17 000, non, 17 000 de réserve supplémentaires sont nécessaires. On a 9 000 de disponibles. On a 17 000. On ne compte pas trop là. Je veux juste rajouter de l'artillerie. Ça demande quoi de l'artillerie? Ça demande des effectifs. Ah ouais, des effectifs. Ah ouais. Oui, là ça crée un petit peu. On va attendre un petit peu alors. Juste, j'ai pas lu. On peut éventuellement faire ça et ça. 17 000 de réserve. Du coup. On va faire comme ça, hop, et on récupère un petit peu de manpower. C'est toujours ça. On va baisser un petit peu la vitesse. Qui prépare les Allemands? Le sort de la Tchécoslovaquie. Ok, les Italiens, qu'est-ce qu'ils nous préparent? Occupation de l'Albanie. Licence. Voilà. Là, nous avons quoi? Classe Dunkerque qui était terminée. C'est notre navire amiral, on va dire. Là, on peut donc rien faire. Hein. Mobilisation précoce. Non. Vaut mieux le garder. Non, c'est même pas là que je regarde, c'est là. Je suis en service militaire court. Là, je peux pas, pourquoi être en guerre? Population notable 1,5. Je peux pas faire mieux en fait. Je ne peux pas faire mieux. Je suis un petit peu embêté quand même. Vraiment pas faire grand chose. Putain, on arrive en 1939 avec l'Allemagne, on a quasiment déjà tout, tout développé. Là, il nous en reste encore 45. Ici, on est bon. Et ici, on est bon. Là, j'offre. Au fait, mes navires, hein, j'en suis. Parce que j'ai quand même un navire qui est sorti. J'ai un cuirassé de niveau 2 qui va sortir. Dans un mois. C'est quoi ça? C'est un croiseur de bataille. D'accord. Croiseur de bataille, c'est celui-là. Lui, normalement, mon navire principal. Est-ce qu'on a du stock en termes de matériel de soutien? Oui, complètement. En armes légères aussi. Donc, on va un petit peu en profiter pour réduire les armes légères maintenant qu'on a un petit peu d'avance. Augmenter les canons anti-chars. Comme ceci. Ça me paraît même pas trop mal en faisant. Comme cela. Usine militaire disponible, on en a encore une. On va quand même la laisser.
ici. Je pense que malgré tout, en termes de pétrole, on est en manque. On a notre croiseur moins 7%, celui-là moins 20%. Je pense que ce serait quand même plus judicieux de continuer de commander du pétrole à nos amis américains. On a déjà 3, donc on va faire 4. Voilà. Là, je me disais que j'ai pas de défense en fait. Donc, je risque de me faire prendre la Corse. Et je pense que la course, c'est quelque chose d'assez important à ne pas négliger. Vais les mettre ici, nos deux divisions. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un petit fort. Le classage offre. Bon, on n'est pas prêt de faire le porte-avions, hein, de toute façon. Là, on est à jour. Là, c'est percé attaque légère. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va donc continuer sur ça. Et effectivement, on va se faire un petit fort comme ça ici. Lever un masse. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Ah oui, non mais d'accord, c'est ça en fait ce qu'il me faut. Je sors de la République tchèque. Grande batterie. On va faire ça. Ce qui s'est passé, ils ont fait comme dans l'histoire. On a un petit croiseur léger, le Gloire, qui vient d'arriver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il est temps, je pense, que nos unités de chasseurs alpins, ils sont quand même bien balèzes, hein. Ah, il en faut 10. Il en faut 10. Et j'en enlève d'une, je mets ici. Non, il en faut 10. D'accord. On va attendre. Hein. Il va leur falloir leur mettre le génie, je pense. Écoutez. Un nouveau char. Division non Aux ordres. affectée. Allez, tu vas là, toi. Hop, Ajaccio. On va t'affecter. Il ne reste pas un petit général dans le coin. En Giro. Voilà. Avec pour mission de défendre. C'est quoi sa ligne de repli? Voilà, de défendre cette zone-là. Hop, on continue de se protéger. Ça me paraît plus que nécessaire si on veut être tranquille. Le Renault B1. Char léger, c'était pas encore d'actualité. Je pense qu'on devrait retranchement. Pas mal l'hôtel de campagne. Où on va plutôt finir ça. Nos chasseurs, cette fois-ci, il nous en reste plus que 215 à sortir. Espérons que je ne sois pas trop ridicule dans cette guerre. Franchement, c'est ce que je redoute, c'est que la partie se termine rapidement
Le nouveau navire va sortir. D'ailleurs, on va tous les faire sortir là. Ici, je vais avoir juste pour mission d'occuper ces deux territoires, en fait. Parce qu'ici, ils ne vont pas débarquer, il n'y a pas de port. S'ils débarquent, ils vont débarquer ici, les Italiens. Donc, c'est ici que je vais plutôt m'en occuper. Voilà, j'en ai 10. Alors, on va donc modifier nos artillerie de soutien. Nous fait une défense de 5. Le génie nous fait une défense de 24. Donc on va se faire le génie. Et je me demande si on va pas. On peut pas. Voilà, je suis bon encore au niveau du matériel soutien, nickel. Mes motorisés, on va leur dire de faire une ligne de repli à peu près ici. Écoutez. Et nos chars, on va les amener là-bas. Ils vont faire une ligne de repli le long, comme ça. Voilà, on n'a plus de manpower, donc c'est un peu con. Du coup, qu'est-ce qui manque ici? Effectif insuffisant. Va plus sortir de. C'est un peu dommage là. On est un peu coincé en fait au niveau de la population recrutable. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Ça, c'est le commandement militaire. Ça, et non. Non. Pas politique. Non, le seul truc c'est ici quoi. Mes services militaires position recrutable 2,5, 1,5, 10%, mais je peux pas. Là, je peux pas non plus. Nation des armées, c'est même pas la peine d'y penser. Là, faut que je sois en guerre. Donc c'est un peu couillon. Je serais coincé comme ça. Termes de chasseurs, 242, 243. Donc là, mon objectif, c'est simple. Dès que la guerre va être déclenchée, il va falloir attaquer l'Italie. Il va falloir la sortir. Sortir l'Italie de l'Afrique. Il n'y a pas de mystère. D'abord dans un premier temps ici, ensuite foncer vers là. Avoir toujours un œil sur l'Espagne nationaliste parce que je la sens pas. Et ensuite ici tenir. Tenir, tenir, tenir. Et ici avancer. J'aimerais bien pouvoir en fait établir une ligne à peu près ici. Là c'est des montagnes. Voilà, ou alors ici, une ligne comme ça serait nickel, avec la ville peut-être. Effet de la ville, attaque. Dans un premier temps, faire ici une première ligne. Je vais construire des forts au fur et à mesure, hein, de toute façon, pour me défendre. J'aurais pas trop le choix. Et en fait, on va attendre que l'Allemagne attaque l'URSS. Et à partir de là, peut-être qu'on commencera à réfléchir à un assaut, hein, sur le Reich allemand. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Même si la guerre va pas tarder à commencer. Trois heures de bataille. Grande batterie. Donc, char de bataille. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qui nous prépare l'Allemagne? Alors, l'Italie a rejoint l'Axe, c'est une très mauvaise nouvelle. Et la guerre, c'est le mois prochain. La guerre, c'est le mois prochain.
On va donc arrêter Écoutez. l'entraînement de mes divisions ici, Pareil. de mes 32 divisions ici, dans un premier temps. Aux ordres. Ici, elles sont prêtes. Là, j'ai qu'une division. Ça va pas forcément le faire. J'ai un fort déjà ou pas? J'ai un petit fort qui m'aidera. C'est sûr. Eux, ils sont pas dans l'axe. J'espère pas. On va s'arrêter donc dans 10 jours. Qu'est-ce qu'on aura fait? La rien de plus. On va laisser entraîner Écoutez. la section de chars. Aux ordres. Qui elle est ici pour l'instant. Gardez vos rangs. On va arrêter l'entraînement de cela également. Et voilà quoi. De toute façon, là je gagne plus assez de points. Donc je pense qu'on va même Pareil. arrêter l'entraînement des chars en fait. On va même Aux arrêter ordres. l'entraînement des chars. Voilà. J'ai plus que ceux-là qui font. Alors pour bien remarquer ici, alors notre point. Aux Ici, ordres. on va les appeler le front espagnol. Toujours avoir un œil sur ce front-là. Et les autres, on va les renommer après suite de la partie. Division non Pareil. affectée, une autre ici. Il va d'ailleurs venir ici. Fait là. Aux ordres. Tu veux pas venir ici? Bon, et on va s'arrêter là. Allez, mais écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Et on se retrouve donc pour la suite de la partie après. Allez, salut à tous!